أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم à tout le monde. Salam, salam, salam. Et bienvenue sur votre page préférée. Bienvenue, 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 bienvenue les éléments. Ah, la vie. La vie, c'est la vie. Nakaobe. Dunia Nakinarade. Partagez la vidéo, les amis, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Nous sommes en train d'assister à un événement inédit. Nous sommes en train d'assister à un événement inédit. Eh oui, je vais régler d'abord ma caméra pour mieux framponner. Parce qu'il faut bien s'installer. Il faut bien s'installer pour framponner. Voilà. Monsieur, quand tu es bien installé, il peut mieux framponner, quoi. Voilà les amis, c'est comme ça. Vous partagez au maximum la vidéo. Partout, 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 partout. Partout, partout. Appelez tout le monde. Dites aux gens que M. Kanté est en direct. Mettez les cœurs, likez la vidéo. Mettez des étoiles. Partout. Pendant que le RPG arc-en-ciel est en train de se disloquer à petits morceaux, et pendant ce même temps-là, Monsieur Son Excellence CDD continue tranquillement de faire ses tournées, il continue de vaguer à ses occupations, il continue de tenir des discours, il continue tranquillement de mener sa vie, d'homme d'État, d'homme politique. Ah, la vie. Il ne faut jamais penser que tout est acquis, quoi. Ne jamais penser que quelque chose est acquise. La vie n'a pas d'acquis. La vie elle-même n'est pas en acquis. Voyez-vous, mesdames et messieurs? Voyez-vous, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Un maximum de partage. Voyez-vous, Monsieur Seydou Dalein Diallo, il a toujours dit que la victoire finale reviendra au peuple. C'est comme si l'ange Gabriel était venu le souffler cela dans les oreilles. C'est comme s'il avait reçu un message direct provenant de Allah lui-même. Il n'a jamais douté de sa capacité, il n'a jamais douté de son fort, il n'a jamais douté de sa force. Il n'a jamais douté de la lutte qu'il a menée et qu'il continue de mener. Bien évidemment, on ne cessera de le remercier, on ne cessera de dire que ce monsieur est une lumière pour la Guinée, on ne cessera de dire cela. Et on l'encourage sur ce chemin. Rien n'est encore gagné. Pas du tout, rien n'est encore gagné, mesdames et messieurs. Partagez le live au maximum. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, monsieur CDD est sollicité un peu partout à travers le monde.
Si c'est pas la France, c'est la Belgique. Si c'est pas la Belgique, c'est les États-Unis. Si c'est pas les États-Unis, c'est le Sénégal. Pas le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Il vaille un peu partout aujourd'hui, librement et tranquillement. C'est un conseil que moi je vous donne pour ceux qui réfléchissent et pour ceux qui observent bien le déroulement des situations en République de Guinée. Ce qui vient de se passer en Guinée, normalement pour toutes les personnes réfléchies, ça doit nous servir de leçon, ça doit nous servir de notion. Il y a une leçon de morale là-dedans. Il y a quelque chose de positif à tirer dans tout ce qui vient de se passer depuis le 5 septembre. Moi, je suis quelqu'un qui fait des. Je suis quelqu'un qui observe des situations et je suis quelqu'un qui tire profit de ces situations. Tire profit, oui, moralement. J'essaye de me faire un résumé de toute la situation et je me sers là-dedans. Je pense que c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui devant vous. C'est ce qui me permet de parler aujourd'hui aisément devant vous, sans équivoque, sans ambages. Et c'est ce qui me permet d'être fier de moi-même. Parce que je n'ai pas de parti pris. Ouais. Je suis moi-même. J'aime ma liberté. J'aime ma vocation de vie. Et j'aime la lutte que je suis en train de mener, positivement et dignement. N'en plaise ou pas, mais les Guinéens qui réfléchissent, les Guinéens qui écoutent ce que je dis, les Guinéens qui sont conscients de la réalité guinéenne, savent que cette lutte que je suis en train de mener, c'est une lutte pour le peuple et donc une lutte de dignité. Oui. Et sur le chemin de cette lutte, toute personne que j'estime être de ce bon côté, je marcherai avec toi. Je parlerai de toi, où que je sois, partout où j'irai, en faisant mes allocutions, en faisant mes discours, en faisant mes sensibilisations, je ferai toujours référence à toi. Et donc, c'est aujourd'hui le cas de CDD. Je vous dis que vous, les militants sympathisants de ce très grand parti de la Guinée, vous qui avez confiance en cet homme, vous qui êtes derrière cet homme, vous qui vous investissez matin, midi, soir pour la réussite de ce parti et pour la victoire finale, je pense que vous ne devez pas reculer. Je pense que vous devez être fier et vous devez continuer à être fier de celui qui vous représente et de celui qui représente votre parti. S'il n'a pas fléchi face à la dictature, s'il n'a pas fléchi face à sa résidence surveillée, s'il n'a pas fléchi face au dénigrement, face aux moqueries, face à tout ce mensonge, face aux accusations non fondées, je pense que quelque part, vous devrez être fier de lui. Et vous devez le soutenir, vous devez continuer à le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, le bon Dieu en qui nous croyons avec fermeté nous a montré la vérité finale. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. On n'a pas besoin d'être un savant pour se rendre compte de cette vérité que Dieu nous a montrée et que Dieu est en train de nous montrer. On n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre, hein, pour accepter ou pour se rendre compte de toute cette vérité que Dieu nous montre. Je vous ai dit que chaque jour qui se passe, c'est une vérité que Dieu nous montre sur le territoire guinéen. Partagez le live, mesdames et messieurs. Voyez-vous aujourd'hui, tout le problème n'est pas du côté de l'UFDG. Non. L'inquiétude aujourd'hui n'est pas du côté de l'UFDG. Non. Aujourd'hui, ceux qui subissent les moqueries,
Ceux qui subissent la colère du peuple, ce ne sont pas les militants sympathisants de l'UFDG, non. Aujourd'hui, les mensonges qui sont démasqués, ce n'est pas les mensonges de l'UFDG, encore moins de l'ANAD, non. Les mensonges qui sont démasqués aujourd'hui, ceux qui subissent aujourd'hui la colère du peuple moralement, ceux qui sont torturés aujourd'hui moralement, ceux qui sont aujourd'hui en quelque sorte le cure-dent de tout le monde en République de Guinée, par leur manque de compétences, par leur manque d'intégrité, par leur manque de, d'humanité, par leur manque, je dirais, de civisme, c'est tout simplement cette classe qu'on appelle le RPG arc-en-ciel. Et je dis d'ailleurs que pendant que M. CDD est en train de monter et de descendre aisément et tranquillement, pendant ce même temps, le RPG arc-en-ciel continue de se disloquer. Vous avez vu aujourd'hui M. Tengiano, c'est ça son nom, qui a rendu sa démission, qui se retire du navire et qui déclare tout simplement que c'est dû au fait que ces gens-là ne respectent pas leurs engagements. Je pense que ça, ce n'est pas une nouvelle phrase, c'est une ancienne phrase pour dire que le RPG ne respecte pas ses engagements. Bon, je pense que tous ceux qui suivent l'évolution ou tous ceux qui ont suivi l'évolution de ce parti qui était à la tête de la République de Guinée, vous avez eu à écouter une fois M. Lansana Kouyaté, après les élections de 2010, qui a donné sa voix au RPG arc-en-ciel, parce que ça a été demandé par l'Union du Mandingue. Voilà, on estimait que M. CDD était de l'autre côté avec M. Sidia, et que Lansana Kouyaté, qui est pseudo ou qui est prétendument issu de même ville de Kouroussa que M. Alpha Condé, leurs mamans sont issues aussi de la Basse-Côte, Boké, Bofa, je ne sais d'où, ben, qu'il fallait tout simplement créer une alliance entre M. Lansana Kouyaté et M. Alpha Condé. Mais je pense que ça a été une expérience, mais une expérience à la fois positive et négative pour Lansana Kouyaté. Parce que Lansana Kouyaté a eu à dire que M. Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Le non-respect des engagements de la part de M. Alpha Condé, c'est inné en lui. C'est dans son sang. Il ne peut pas se débarrasser de cela. On ne peut pas rééduquer un vieil homme de 86 ans. C'est impossible. On ne peut pas rééduquer un tel homme. On ne peut pas rééduquer un vieil homme de 70 ans. C'est impossible, mesdames et messieurs. Il s'est créé déjà un monde. Il se croit meilleur. Il s'est créé des habitudes. Il se croit meilleur. Et ses habitudes sont devenues ses secondes natures. Et il est très difficile de changer la seconde nature d'un homme. Le même Lansana Kouyaté nous disait quelque part en 2007 que la plus grande bataille ou le plus grand combat dans ce monde, c'est celui qu'on mène ou c'est celle qu'on mène contre ses propres habitudes. On est avec soi-même, on n'est pas avec quelqu'un. Quelqu'un qui est habitué à mentir, quelqu'un qui est habitué à tromper, quelqu'un qui est habitué à voler, pour combattre ce comportement, il le fait avec lui-même, il ne le fait pas avec quelqu'un d'autre. Monsieur Alpha Condé est un habitué de mensonges, est un habitué de tromperies, est un habitué de promesses. Alpha Condé est un habitué de non-respect des engagements et donc ce combat, il devrait le mener contre lui-même. Mais il ne l'a même pas entamé. Avant de dire qu'il a réussi, il n'a même pas entamé ce combat. Parce que de son investiture en 2010 jusqu'à nos jours, il continue toujours de croire à ses mensonges. Et chose qui est incroyable dans tout ça, c'est que ses enfants, ses poussins, ceux que moi j'appelle aujourd'hui ses pèlerins, continuent toujours de croire aux mensonges de ce vieil homme. Et continuent toujours de faire croire que ce vieil homme est toujours capable de faire quelque chose. C'est ce qui est dramatique dans l'affaire. Ils ne se sont pas encore rendus compte de l'incompétence, de l'inexpérience, du manque de vision de ce vieil homme. C'est ça le drame. Alors,
Comment nous autres, nous pouvons faire aujourd'hui pour ramener cette partie de la jeunesse guinéenne à la raison? Pour rééduquer cette partie, cette autre partie de notre jeunesse à la raison? Comment nous pouvons le faire? La bataille, elle est rude. Eux, ils se considèrent comme des ennemis, ils se considèrent comme des adversaires. Nous, dans notre lutte, nous ne leur considérons pas comme des adversaires. Nous les considérons tout simplement comme des personnes ignorantes, victimes d'un système qui n'ont jamais compris ce système et qui continuent toujours à se lamenter dans ce même système. Il est très difficile. Parce que vous savez, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, qu'en faisant la politique, il faut faire la politique avec la tête et non avec le cœur. Je l'ai dit plus de deux ou trois fois aux militants sympathisants de l'UFDG. Naturellement, je ne tâche pas de dire la vérité aux militants sympathisants de l'UFDG quand je constate un petit débordement ou quand je constate une petite faille. Ok, dans leur évolution, je viens vers eux et je tape sec. Il n'y a pas de contrat entre les militants de l'UFDG et moi. Ce sont mes frères. S'il y a des failles dans le système de l'UFDG, si ils ont des petites querelles intestines, et là je sors, je tape fort. Et je pense que ce sont des personnes réfléchies, matures, qui comprennent ce que ma démarche en fait. Mais avec cette autre partie du peuple, il est très difficile. Il est très difficile parce qu'ils continuent toujours de croire que ce vieil homme peut leur apporter quelque chose encore de nouveau. Il est allé jusqu'à ses limites. Il a pu faire ce qu'il a fait. Vous attendez encore de lui quelque chose ou bien du merveille. C'est pourquoi je vous dis toujours que vous êtes dans un monde illusoire. L'illusion, c'est quoi? Vous savez, souvent, l'illusion, c'est de confondre la réalité, c'est de confondre le faux au réel. Allez-y au bord de la mer, arrêtez-vous, regardez, vous aurez l'impression que le ciel et la mer se touchent. Or, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Ils ne se touchent pas, le ciel et la mer ne se touchent pas. Vous avez une réalité, mais une réalité illusoire devant vous. Alors, ces enfants aujourd'hui, partagez le live, ces enfants aujourd'hui de ce parti continuent toujours de croire, de voir, et ils essayent toujours de s'adapter, mais on s'adapte à une réalité. Mais vous n'avez pas quelque chose de réel devant vous, vous avez de l'illusion devant vous. Et c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre pour que vous compreniez une fois pour toutes. Parce que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Il faut que vous acceptiez que vous n'avez jamais compris. Et là, notre démarche pourra vous permettre de comprendre. Mais en tant que vous n'acceptez pas que vous n'avez jamais compris, vous n'allez pas comprendre. Voyez-vous? Parce que quand on dispense un professeur de français ou de philosophie, quand il dispense un cours et qu'il demande aux élèves, est-ce que c'est compris? Les élèves, pour leur réponse en disant oui, c'est compris, même s'ils n'ont pas compris, eh bien, ils n'ont pas compris. Mais l'élève qui osera dire au professeur, monsieur, je n'ai pas compris, même s'il est heure d'aller à la maison ou c'est la fin du cours, le professeur part à la maison en se disant, mon élève n'a pas compris. Et dorénavant, il va redoubler d'efforts. Mais en tant que l'élève ne reconnaît pas son incompréhension du cours, le professeur ne saura pas l'aider. Parce que le professeur, dans sa tête, il se dira quoi? Mes élèves ont compris. Alors, ces militants sympathisants aveugles du RPG arc-en-ciel, il faut qu'ils acceptent, c'est pas de l'orgueil, il faut qu'ils acceptent qu'ils n'ont jamais compris Alpha Condé. Et nous autres, on peut leur aider à comprendre Alpha Condé. Parce que nous avons compris Alpha Condé dès le début. Moi particulièrement, j'ai compris Alpha Condé dès le début. Et pour me permettre de leur aider, il faut qu'ils acceptent qu'ils n'ont jamais compris Alpha Condé. C'est pourquoi à chaque fois que nous parlons, ils nous disent toujours, vous ne savez rien, vous n'avez rien compris, vous ne connaissez pas Alpha Condé, c'est le plus grand politicien. Mais vous qui avez compris Alpha Condé, il vous a envoyé où?
Et on vous a toujours demandé de nous expliquer ce que c'est que la politique condéienne. Et vous avez été incapable de nous expliquer et de nous séduire sur la politique condéienne. D'accord, mesdames et messieurs. Et à partir du moment où vous avez montré votre incapacité à nous expliquer et à nous séduire vers vous, nous nous disons tout simplement que vous, vous n'avez pas compris la politique d'Alpha Condé. Ou tout simplement, Alpha Condé a été incapable de se faire comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas d'être le plus grand politicien du monde. La chose la plus importante en matière politique, c'est de se faire comprendre au maximum. C'est d'être un simpliste, c'est de simplifier les choses. C'est d'être un réaliste. C'est de lier l'acte au verbe. Et là, vous n'avez pas besoin d'un très grand discours ou une très grande allocution pour vous faire comprendre. Non, le peuple a besoin du concret. Vos militants sympathisants ont besoin du concret. Et avec ce concret, eux, ils peuvent à leur tour séduire le restant du peuple à accepter ou à adhérer. Mais vous, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous avez été incapables de nous séduire. Parce que tout simplement, votre référence a été incapable, lui-même a été incapable, vous, de vous séduire. La seule capacité qu'il a, ou il a eu envers vous, c'est de vous séduire sur le mensonge. C'est de vous montrer le miroir. C'est d'embellir le mensonge. Et c'est de vous vendre des rêves. Ça a été sa seule capacité. Mais nous, nous sommes des réalistes. Nous, nous sommes des visionnaires. Nous, nous avons des objectifs à atteindre. Nous, nous savons que notre peuple est en retard. Nous acceptons le retard de notre peuple. Nous acceptons l'incapacité. Nous avons déjà accepté l'incapacité, l'incompétence de votre professeur à sortir ce peuple de l'ornière. Mais vous, vous avez toujours voulu nous faire comprendre que votre professeur, jusqu'à X temps, il sera capable, il est capable, il faut le suivre, c'est le FAMA. Oh ! Vous qui nous parlez, vous n'avez jamais été embauché. Vous qui nous parlez, vous êtes ici en Europe. Vous qui nous parlez, vous ne pouvez même pas entrer en Guinée et être fier du travail que votre FAMA lui-même a fait. Parce que vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Tenez. Pas plus longtemps que la semaine passée, il y a un fervent militant sympathisant, je dirais maintenant un ancien fervent militant sympathisant de ce parti qui a été en Guinée. Il a été en Guinée, il est allé à l'intérieur. Il est resté à l'intérieur, il m'a contacté. Monsieur Kanté, je vous assure, sur mon honneur, ce que vous dites chaque soir concernant ce pays, tant de fois imaja, hali kelimpe imaja, nkana wiafu nyando, yekuma kuma fola, il a page coca concernant la Guinée, tant de ou de fausse imaja. Je suis là, moi-même, je suis là sur le terrain en Guinée. J'ai parcouru de Conakry à Zérékoré, de Zérékoré à Kankan, et de Kankan à Conakry. Monsieur Kanté, Nkana ouya fouyande, Mba ouya fouyande, Mbara ouya fouyande, Mba ouya fouyande, Mbara ouya fouyande, Ninka ouya fouyande, Mbara ouya fouyande, Nduna, Ntina silana alanye, Kanlo, Mwonyo nye, Kokoro. Monsieur Kanté, je suis en Europe, il y a plus de 35 ans de cela. Mais je ne pouvais pas imaginer que ce monsieur qui nous a vendu tant de rêves, que ce monsieur qui a fait notre enfance, que ce monsieur qui nous a fait croire qu'il était l'homme de la situation de toute l'Afrique, que ce monsieur ait été incapable de faire le minimum en Guinée. Monsieur Kanté, vous avez raison. Je vous parle, je mets de côté le RPG Arc-en-Ciel. Je vous parle en tant que citoyen guinéen résident en France, qui est revenu dans son pays pour constater la réalité. Parce que je ne veux pas me contenter du commentaire d'un farfelu ou d'un affabulateur ou d'un narcissique.
j'ai voulu toucher du doigt les réalités de mon pays. Pour qu'à mon tour, je puisse raconter ça à quelqu'un d'autre. Avec des preuves. Parce que je suis là, je suis en train de filmer. Je suis là, j'ai la caméra, j'ai mon téléphone, je filme. Comme ça, en parlant devant mes amis arrivés en France, tous ceux qui vont contester, je vais leur montrer ces images, ces vidéos. Ces vidéos que moi-même, je filme aujourd'hui. Monsieur Kanté, je vous ai insulté. Monsieur Kanté, je vous ai dénigré. Monsieur Kanté, je vous ai comparé au porc. Monsieur Kanté, il n'y a pas de dénigrement que je ne vous ai pas fait. Je vous présente mes excuses. Je suis un père de famille. J'ai pensé que vous dénigriez Monsieur Alpha Condé. J'ai pensé que vous n'aimiez pas Alpha Condé. J'ai pensé que vous étiez contre les Malinqués. Inconsciemment, en oubliant que vous-même, vous faites partie du Mandingue. Bien évidemment, ce Mauro Kanté. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que vous-même, vous êtes du Mandingue et vous vous êtes engagé à dire la vérité au peuple. Si c'était un peul ou un soussou, si c'était un peul, mais on se serait dit que c'est normal. Que oui, ce sont des gens qui n'aiment pas le pouvoir Malinké en Guinée. Que oui, ce sont des gens qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée, qui ne veulent pas les bonheurs des autres. Ce sont des gens qui veulent juste le pouvoir. Mais le paradoxe avec vous, c'est que vous êtes issu, vous êtes un fils digne du Mandingue, bien évidemment, sous Mauro Kanté. Et vous avez accepté de dire la vérité au peuple, rien que la vérité, toute la vérité. Vous n'avez pas choisi le côté ethnie. Vous n'avez pas choisi le côté région. Vous n'avez pas choisi le côté parent. Vous avez choisi le côté pays. Et c'est ce qui fait de vous un grand homme. Bien évidemment. Parce qu'on dit souvent que les partis politiques en Guinée sont fondés à base ethnique. Mais quand moi je vous entends parler de Séloudalé Diallo, au début, je me disais que tu étais un Kanté de Moyenne Guinée parce qu'il y a des Kantés là-bas, des esclaves. Je dis, ah bon? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, mais les Kantés n'ont jamais été esclaves. Et sincèrement, je pensais que vous étiez peul, que vous étiez issu de la famille d'Ahmed Kanté. Je dis, ah bon, oui, bien sûr. J'aurais aimé être de cette famille d'Ahmed Kanté. OK. Mais malheureusement pour vous, heureusement pour moi, je suis de même région que vous. Et là, vous ne pouvez pas me taguer d'ethno. Vous ne pouvez pas m'insulter. Vous ne pouvez pas dire que je suis un ethno, je suis un peul. Non. Mais j'ai tout simplement accepté de dire la vérité. J'ai tout simplement accepté de sensibiliser mon peuple. J'ai tout simplement accepté de relater les faits tels qu'ils se présentent. Monsieur Kanté, sincèrement, je suis désolé, mais je pense que vous ne dites pas tout. Parce que tout ce qui se passe ici, tout ce que moi je vois, si vous dites tout ça, je pense que ça va faire beaucoup plus mal. Mais je pense que vous ne pouvez pas rester aussi en France et voir tout. Je sais que vous avez des informateurs ici, ça c'est vrai. Mais le terrain, l'état des lieux, c'est indescriptible, Monsieur Kanté. C'est indescriptible, vous imaginez. À cause d'une plaquette d'amoxicilline, un Guinéen peut perdre la vie par manque de moyens. À cause d'une plaquette de parastamol, un Guinéen peut perdre la vie par manque de moyens. À cause d'une simple perfusion ou d'injection, un Guinéen peut perdre la vie parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter. À cause d'une césarienne, une femme guinéenne peut perdre la vie avec ses enfants par manque de moyens. Pourtant, ce monsieur nous a dit que les femmes guinéennes vont accoucher gratuitement. Oui, c'était ses slogans. Les femmes guinéennes vont accoucher gratuitement. L'école sera pour tous les enfants guinéens. Nous allons faire des barrages hydroélectriques. On va donner le courant à Kissidougou, à Farana, et on va vendre le reste au Sénégal et au Mali. Nous allons faire l'agriculture et tout le monde va manger à sa faim. Nous allons faire des routes de Conakry jusqu'à Cancan, de Cancan jusqu'à Zérékouré, de Zérékouré jusqu'à Conakry.
Nous allons faire des routes de Conakry jusqu'à Cancan. Les chemins de fer de Conakry jusqu'à Cancan, de Cancan jusqu'à Bamako, de Bamako jusqu'à Bobo-Dioulasso. Parce que ces gens-là n'ont pas de port. Et nous, nous avons un port. Et ils ont besoin des marchandises. Les marchandises doivent passer par là. Et pendant ce temps aujourd'hui, M. Selou Danen Diallo continue son bonhomme de chemin. Il continue ses tournées tranquillement. Et quand je m'assois, que je réfléchisse, même quand je travaille et que je réfléchisse à la situation guinéenne, je me dis, waouh, est-ce que c'est une réalité? Mais à chaque fois que je vois le colonel Mamadi Doumbouya, à chaque fois que je vois les gens appeler le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président de la transition, je me dis, oui, c'est la réalité. Vous savez, à la mort du feu Ahmed Seck Touré, en 84, les Guinéens ne croyaient pas. Les parents, ils ont eu du tout le mal à expliquer cela à leurs enfants. Dans les quartiers, on n'osait pas annoncer le décès d'Ahmed Seck Touré. Parce qu'on se disait, c'est l'omnipotent, c'est l'omniprésent, il est partout. Non, il va réapparaître. Donc, moi, parfois, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à accepter, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Vous imaginez? Il n'y a pas longtemps, quelques mois, c'est M. CDD qui était encerclé, c'est M. CDD qui était surveillé, c'est M. CDD qui était l'homme le plus méchant de la République de Guinée. Et maintenant, aujourd'hui, depuis maintenant 2 mois, le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe? La situation s'est renversée. Oui. La situation s'est présentée comme vous la voyez aujourd'hui. C'est pour vous dire, Guinéens et Guinéennes, c'est pour vous dire que dans tout métier, dans la vie de tous les jours, vous qui avez de l'argent, les riches, vous qui occupez des fonctions, des postes dans la fonction publique, vous qui êtes policier, vous qui êtes militaire, vous qui êtes gendarme, vous qui avez les moyens, vous qui êtes issu de la haute société guinéenne, c'est pour vous dire, faites attention. La situation peut changer à tout moment. En une fraction de seconde, la situation peut changer. La vie peut basculer tout à l'heure devant nous. On peut voir, c'est-à-dire le contraire d'une situation qui vous était favorable, tout, c'est-à-dire au bout d'une fraction de seconde. Et je pense que ce changement brusque, c'est ce qui envoie aujourd'hui les caciques du RPG Arc-en-Ciel, les enfants sur la toile, à tenir des discours haineux, à tenir des propos inacceptables. Parce que le mouvement, la situation, le changement a été brusque. Oui. C'est comme si vous alliez trouver une personne endormie profondément dans son lit, dans sa chambre, vous le jetez comme ça, de l'eau glacée, à moins 30 degrés, vous le jetez comme ça. Le sursaut, là, il perd complètement sa mémoire. Il ne comprend pas la situation. Il a besoin d'une réflexion, d'un temps de réflexion pour comprendre. Et ça va prendre du temps. Mais je pense que les enfants du RPG Arc-en-Ciel qui sont en train aujourd'hui d'appeler à la haine, qui sont en train aujourd'hui de tenir des propos inacceptables, des propos désagréables à l'encontre du colonel Mamadi Doumbouya, je pense qu'ils doivent commencer maintenant à comprendre. Bientôt 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous devez maintenant arrêter. On a besoin d'aller de l'avant, mesdames et messieurs. Bénissons pour le peuple de Guinée. Voyez-vous, pendant que vous êtes en train de vous querer dans votre parti, M. CDD et ses éléments, eux, ils sont là. Ok, ils tiennent des meetings. Ok, ils font des discours de rassemblement. Ok, ils sont à l'international. Ils côtoient les personnalités. Ils cherchent des relations de gauche à droite. D'accord? Ben, on les aime, ils se font plaire.
C'est parce que tout simplement, ils se sont inscrits dans une logique. Ils se sont inscrits dans la constante et dans la continuité de la positivité. Ils ont refoulé le mensonge. Ils ont refoulé la corruption. Ils ont refoulé la faiblesse. C'est pour vous dire que même si Alpha Condé était resté à la tête jusqu'aujourd'hui, M. Cyril Oudalen Diallo allait toujours continuer à se cramponner sur sa position. Il n'allait pas fléchir. Soit on allait le prendre, le mettre en prison, ou ben, la situation allait se terminer autrement, comme ça s'est terminé là. Voyez-vous? Vous avez trop parlé de cet homme-là. C'était pas lui. C'était vous-même. Le problème, c'était vous-même. Le défaut, c'était vous-même. L'incompétence, c'était vous-même. Le diable, c'était vous-même. Le mensonge, c'était vous-même. Le vol, c'était vous-même. La destruction, c'était vous-même. La marginalisation du peuple, c'est vous qui le faisiez vous-même. Tous ces crimes, ces atrocités qui ont été commis en Guinée, c'est vous-même. Vous avez voulu coller cela au dos de Cellou Dalen Diallo pour dire c'est lui qui fait sortir les enfants dehors. Ah! Il fait sortir les enfants dehors. Ok. Acceptons, admettons qu'il fait sortir des enfants dehors. Mais est-ce qu'il vous a demandé de taper ces enfants-là ou de tuer ces enfants-là? Non. Cela n'est inscrit nulle part. Il n'inscrit nulle part que Cellou Dalen, à chaque fois qu'il fait sortir des enfants, ok, vous devez finir avec ces enfants. Il n'inscrit nulle part. Quand je vois des Guinéens incohérents, des Guinéens irréfléchis, tenir des propos pareils en disant « Mais bon, Cellou Dalen, c'est lui qui faisait toujours sortir les enfants. » Oui! Le droit de manifester était un droit constitutionnel. Même si ce droit n'existe pas aujourd'hui dans la charte de la transition. Mais le droit de manifester était un droit constitutionnel dans toutes les constitutions que la Guinée a connues. En utilisant ce droit, est-ce qu'il était dit dans une constitution de la Guinée que le droit de manifester doit être aussi réprimé par un droit constitutionnel dans la constitution? Non. Il n'y avait pas un droit dans la Constitution comme ça. Pour dire à chaque sortie des manifestants, il faut réprimer sauvagement. Non. Ce n'était pas écrit noir sur blanc. C'était seulement les humeurs d'Alpha Condé. Et vous savez, vous qui demandez aujourd'hui la libération de ce démon, il faut que le démon reste là. Il y en a qui appellent le colis. Moi, je pense qu'on ne doit même pas l'appeler le colis. Parce que le colis, même les imams, ils reçoivent des colis. Le colis, même des pasteurs, ils reçoivent des colis. Le colis, même des bons hommes, les hommes qui sont aimés par Dieu, ils reçoivent des colis. Il ne faut pas qu'on salisse le nom du colis. On doit l'appeler tout simplement le démon. Le diable. Parce que oui, le diable ne s'approche pas à tout le monde. Le diable ne fait pas du mal à tout le monde. Le diable, diable. Mais ne salissez pas le nom du colis, s'il vous plaît. Le colis, c'est le colis. Nous tous, nous recevons des colis. Donc, enlevons ce nom colis. Colis tout simplement, disons tout simplement le démon. Oui, le diable, oui. Ça, ce nom-là le correspond, c'est très important. Parce que ce qu'il a fait, c'est inimaginable. Je vous jure sur l'honneur, si le Tout-Puissant Allah, si le Tout-Puissant Allah avait voulu juger chaque président devant son peuple, je pense que ceux qui sont en train aujourd'hui de crier pour l'innocence d'Alpha Condé, ceux qui sont en train aujourd'hui de crier pour la libération d'Alpha Condé, si le jugement d'Alpha Condé était fait par Allah devant toute la République de Guinée, je pense que vous alliez prendre la tête. Parce que de 1977, de 1976, jusqu'en 2000, jusqu'en 2007, jusqu'en 2009, jusqu'à maintenant, tout ce que la Guinée a connu comme manifestation, comme bouleversement, comme attaque, comme rébellion, comme inquiétude, comme instabilité en Guinée. Vous savez, ce monsieur
il a sa part de responsabilité dedans. C'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais vous allez comprendre tôt ou tard que vous étiez dans l'erreur. Oui. Vous savez, quand l'islam est venu, ok, les mécréants, ils pensaient toujours que l'islam, c'est une fausse religion. Que non, eux, ils doivent continuer toujours à adorer les idoles. Ils doivent continuer toujours à pratiquer les traces laissées par leurs ancêtres. Il a été difficile pour les mécréants de comprendre que l'islam, c'est la voie. Et quand ils ont compris, le jour qu'ils ont compris cela, ils se sont dit quoi? Ils ont dit que nous étions dans l'erreur. Et vous, ça va prendre du temps, je pense bien, mais vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, vous direz devant le peuple que vous étiez dans l'erreur. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont suivre la vidéo après, n'est-ce pas? Parce que tout le monde n'a pas la chance de suivre M. Kanté en direct. Donc, vous partagerez au maximum. C'était justement ce petit live que j'avais à vous faire. Donc, continuons d'être fiers de M. CDD. Continuons d'être fiers de M. Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que ces deux personnes-là, ce sont eux qui ont fait, ok, qui ont fait la Guinée de la Guinée aujourd'hui. Ce que nous connaissons aujourd'hui en Guinée, ce sont les deux personnes-là. Il ne faut pas nier. Hein? Faut pas nier. M. CDD a commencé. Le colonel n'avait pas compris. Parce qu'il a fallu aussi du temps pour le colonel de comprendre. Oui, CDD, lui, l'avait déjà compris dès le départ. Il a compris, il est resté là. Il s'est dit, non, on doit combattre cela. On doit combattre, il est resté dans le combat. Il a combattu. Et il a fallu que, monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya comprenne la situation. Et dès quand il a compris la situation, il n'a pas tardé à frapper. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette situation de joie, de béatitude, et voilà, de démocratie, et voilà, de bonheur et de paix. Ok? Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et à demain. Je vous aime. Bye bye. Demain, Inch'Allah, je serai en direct avec Mandjan Sidibé. Je ne peux pas le prendre tous les jours. C'est mon invité spécial. Donc, ça sera demain à 21h avec Mandjan Sidibé. Les dossiers sont encore lourds. Très, très lourds. Donc, venez massivement demain. Merci beaucoup. Bye bye.